Madame Merkel doit comprendre qu'elle est un partenaire comme les autres au sein d'une eurozone qui ne connaît ni locataires ni propriétaires. La Grèce est un pays souverain, elle est un État souverain et elle a une constitution qui prévoit des processus très particuliers. Par conséquent, ce n'est pas à Madame Merkel de décider si nous allons avancer vers un référendum ou non. Il n'y a rien à négocier dans le mémorandum, car on ne négocie pas l'enfer. Le mémorandum est une voie qui conduit vers l'enfer. Il a été annulé par le vote du peuple grec du 6 mai, et il sera définitivement envoyé aux oubliettes de l'histoire par le vote du 17 juin. J'espère que le message d'Alexis Tsipras sera entendu parce qu'il a une grande fermeté. Je crois que beaucoup de dirigeants européens n'ont pas compris que le mémorandum, c'est fini. Monsieur Tsipras a été le deuxième parti de l'élection. Vraisemblablement sera-t-il le premier la prochaine fois. C'est fini. Maintenant, c'est avec lui qu'il faut parler. Excuse me.